Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus sur Economa Life pour une nouvelle édition de votre journal centré sur la technologie et le numérique en Afrique. Camtel a accueilli ce lundi des auditeurs de l'École supérieure de l'administration militaire de la République démocratique du Congo pour une formation sur la cybersécurité. Une initiative qui vise à renforcer la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, ainsi que la surveillance des points d'entrée grâce à la technologie. Des Camerounais s'illustrent sur les différents panels du Forum Médias et Développement qui se tient depuis le 11 juillet à Paris sous le thème « Mieux informer demain ». Nous ferons une escale sur l'événement qui se clôture ce jour même. Et puis, innovation technologique, nous vous présenterons la FinTech Cori, un portefeuille électronique qui s'est donné pour mission de résoudre les problèmes de petite monnaie au Cameroun. Voilà pour les titres. Mais avant cette information, en bref, alors qu'elle célèbre en ce mois de juillet la deuxième année du lancement du train express entre Yaoundé et Douala, Camrail envisage d'installer un Wi-Fi gratuit dans ses trains. On apprend du média en ligne Investir au Cameroun que l'annonce a été faite par Gilbert Kanapandi, directeur général adjoint chargé du transport voyageurs à Camrail. Selon les données de l'entreprise, au cours de ses deux premières années d'activité, le train express de Camrail a effectué 1394 voyages pour plus de 328 000 passagers transportés entre la capitale politique et la capitale économique du Cameroun, avec des arrêts quotidiens dans les villes secondaires comme Edea ainsi que des localités des zones rurales telles que Messondo, Ezaka, Ezeka, Makak et Ngoumou. Camtel a accueilli ce 10 juillet des auditeurs de l'École supérieure de l'administration militaire de la RDC pour une formation axée sur les enjeux de sécurité dans le secteur des télécommunications. Une initiative qui vise à renforcer la sécurité de façon globale grâce à la technologie. Le déplacement des officiers congolais s'inscrit dans le cadre de l'exécution des missions dévolues au ministère de la Défense. Celle-ci consiste à former et à entraîner les hauts cadres de la police et de la gendarmerie à effectuer des recherches dans le champ de la sécurité intérieure et de la sécurité internationale. Cela dans le but de sécuriser le secteur de l'économie numérique et des télécommunications. L'honneur est donc revenu à la Cameroon Telecommunication à travers ses experts en systèmes d'information, réseau et télécom d'accomplir cette mission fort délicate. L'École supérieure de l'administration militaire de la RDC se concentre sur des domaines tels que le management, les marchés publics, la finance et l'administration. Cette collaboration avec Camtel permet d'élargir les compétences des auditeurs dans le domaine de la cybersécurité. Le Forum Médias et Développement se déroule à Paris depuis mardi dernier avec la participation de 300 journalistes et activistes de l'information de 45 pays francophones, anglophones et arabes. Cette initiative de CFI vise à outiller les participants afin qu'ils produisent une information fiable, indépendante et de qualité à l'heure de la désinformation et de l'intelligence artificielle. D'où le slogan de l'édition 2023 « Mieux informer demain ». Le Camerounais Pascal Blaise Andongo, président d'Educ Média, s'est illustré à ce forum en participant au panel sur l'enjeu de la massification de l'éducation aux médias et à l'information. L'objectif, dit-il sur son compte Facebook, était de convaincre les décideurs scolaires et de former les formateurs pour essaimer et s'adapter localement aux spécificités linguistiques et culturelles. C'est dans ce sens que le Camerounais a contribué à ce forum Médias et Développement qui cherche aussi à faire avancer la réflexion sur la corrélation entre les médias et le développement, échanger les bonnes pratiques et surtout identifier des propositions concrètes réalisables à court et à moyen terme. D'autres Camerounais tels que Paul-Joël Kamchan, le secrétaire exécutif d'Adizi Cameroun, et Marthe Mougnol, la chef desk fact-checking de Data Cameroun, prennent part à l'événement. Il est possible de suivre les conférences en direct via le lien forum.cfi.fr. La dernière a lieu aujourd'hui dès 14h, temps universel. Et puis,
je vous le disais en titre, Cori est le nom de la fintech révolutionnaire lancée depuis l'année dernière au Cameroun. Il s'agit d'une application qui permet aux utilisateurs de créer des cartes de fidélité digitales sur lesquelles les commerçants partenaires de la start-up peuvent leur verser des cashbacks et éventuellement leurs reliquats. La solution dispose d'une application mobile accessible sur iOS et sur Android. L'utilisateur, après téléchargement, devra s'inscrire. Il peut ainsi accéder à la liste des commerçants partenaires et choisir où il fera ses achats. Le scan du QR code de la boutique lui permettra de créer sa carte de fidélité digitale pour les magasins choisis depuis son smartphone. Une fois à la caisse du magasin, l'utilisateur montre la carte de fidélité numérique au caissier. Son cashback et sa monnaie seront directement crédités sur son portefeuille digital. Notons que le cashback est un remboursement du commerçant pour récompenser la fidélité d'un client. Cet argent peut être dépensé uniquement dans la boutique du commerçant qui l'a offert. Fondée par Magali Ghosh Sanga en 2022, la fintech revendique avoir fait gagner à ses utilisateurs plus de 4 millions de francs CFA. L'application, qui a déjà levé plus de 131 000 dollars en une année d'existence, dispose de plus de 40 partenaires dans divers secteurs. Il y a 2 semaines, Cori a été sélectionnée pour faire partie de la cohorte hiver 2023 d'Aidi Venture Accelerator, une entité américaine qui permet aux fondateurs d'entreprises technologiques africaines d'obtenir des avantages de la part des business angels et des entreprises. L'application est pour l'instant déployée au Cameroun, mais Magali Ghosh Sanga souhaite conquérir le marché de l'Afrique francophone avec cette solution. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre édition. Mais avant, vous pouvez nous retrouver en replay sur notre application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.